Seria vous présente une journée banale. Salut tout le monde, c'est Saya. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur le Rasboul que j'ai filmé il y a pas mal de mois et on me l'avait demandé. Alors, c'est parti. Alors, dans ce tuto, je fais le succès premier. Donc pour le placement, dans mon cas, je peux me permettre d'être proche grâce à mon Feka. Et cela rend le succès premier plus simple que d'aller chercher la Rasboul à l'autre bout de la map. Alors, j'ai pris Maxel pour le retrait PA, ce qui permet de le debuff. Et passons du coup au côté stratégique. Alors, il faut lui tirer des PA. Alors, un sort qui retire 1, 2, 3 PA, n'importe quoi. Ça équivaut à 2 PA qu'il gagne et il faut le mettre à 14 PA, c'est ça. Et même si vous voulez tirer 0 PA, il en gagne quand même, vous le verrez de toute façon. Puis il lancera son tour de jeu, son sort pour le debuff. Comme vous le taperez, comme dans mon cas avec l'élément feu, il gagnera 50% de résistance dans tous les éléments et il perdra 50% de résistance feu. Donc si je tape R, il gagne partout des res, sauf en R, il en perd 50. Donc comme vous l'avez compris, il va falloir retirer ses résistances pour le tomber. Mais attention, son sort ne dure que 2 tours. Donc je vous conseille personnellement d'utiliser un maximum de sorts peu coûteux en PA et ensuite de le roxer avec les gros sorts quand il aura moins de 100% de résistance feu par exemple. Comme on peut voir dans la vidéo, à la fin, enfin, à peu près au milieu quoi, Maxel tape du 1200 dessus, totalement fumé quoi. Ensuite j'en étais où, top. Donc oui, aussi il invoque des Rasboul mineurs qui ont 75% de résistance dans tous les éléments, sauf un élément où il a moins 16. 1, 2, 3, moins 75. Et si le Rasboul le boss, il se met à deux cases, vous êtes dans la merde parce que le Rasboul mineur, il va pouvoir se déplacer à son cac et le recense. Et du coup, moi je les tue tous comme vous pourrez le voir. Après l'avoir tué, il suffit de faire le ménage et vous avez gagné votre donjon. Je vais ensuite vous mettre là, dans la description, les deux musiques qui sont des gagnants de la fête de la Fanfan 2014. Et maintenant, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Bon jeu et bon Rasboul. De plus en plus de gens racontent la légende de cette jeune yopette qui mendie à la foire et se nourrit tous les soirs, se nourrissait de ce qui reste à savoir, du pain pourri aux noisettes. Écoute ça! Voilà son histoire. À peine 7h du mat, se lève, sur un machina comme tous les jours, je passe le bonjour aux habitants, réclamant quelques camas, pourtant tout semble si différent, les pauvres tous sont caressés par les enfants, les paysans, le sourire comme si leur vie venait tout juste de prendre du sens. Moi est annoncé, criant quand son panneau d'affichage adressé à tous les mages, les sages voudra du courage, la rage pour faire partie du tirage. La quête risque d'être longue, les maîtres ont une longueur d'avance, donc je commence à compter les secondes dans ce monde où les meilleurs t'offusquent afin d'avancer dans l'ombre. Si c'est le nombre de t'offusques que chacun prépare pour l'ultime rencontre. Fini la vie de Pandawa, saoulant tous les soirs en foutant le dawa. Dès demain partir sur Astru pour acquérir de Fawa. Jeune Padawan deviendra un grand Jedi, ça start à incarnam pour finir à Otomai. Ouais, faut de la maille, ma caille.
bas et me disaient mes refs. Quand je me casse du Berkeley à la conquête d'un reste, pas de bluff. Déjà sur le navire qui m'emmène sur les lois vides, j'ai qu'un autre à les faire rire. Bah tant pis, je sors mon épée maudit. Les lois wabit aussi, je le dépop, lui et ses potes. Et tout son possible, impossible, disait-il à moi d'Opus Kawot. Passons à la suite, repère de scun, parce qu'on dit pas facile. En moins d'une semaine avec ma team, on s'est fait la diamantine. Un peu relou à cause des pépous, en épineux de cactus, on a trouvé l'astuce pour pécho le Dofuscalyptus. La quête risque d'être longue, les maîtres ont une longueur d'avance. Donc je commence à compter les secondes dans ce monde où les meilleurs t'offusquent afin d'avancer dans l'ombre. Si c'est le nombre d'offusques que chacun prépare pour l'ultime rencontre. Plus que 3 ans en fin de combat, entre temps j'ai perdu des amis qui m'ont fait des coups bas. Mais je ne baisse pas les bras et bombe le thorax, car aujourd'hui commence la quête à Manax. Apporte au mérite les ressources que demande, tu obtiendras ce que tu mérites après un an de fidèle offrande. Me voilà bien grandi, encore loin du paradis, mais au moins j'ai l'envie, alors j'y suis parti. Lorsque d'Acera, c'est notre cop qualifié de bandit. Dans les plaines de Cagnin, ils sont repentis. Parcours la forêt ténébreuse et très marquée, je te ferai marquer les empreintes. Imagine cette œuvre qui pourrait te rendre heureux, t'as juste à suivre ce labyrinthe. Ne prends pas cette terre, ça donne ni chauffeur et autres bêtes qui rôdent. Ne tremble pas devant le Dark Blade et tu obtiendras le Dofus Emerald. Pleuve les coups et enchaîne les critiques, des sales regards quand les jambes croisent. Je farme à l'arena en ignorant leurs blagues narquoises. J'ai le mou dragon cochon sans panique, qu'il n'y a que moi qui soit capable d'obtenir ce beau turquoise. Quête risque d'être longue, les maîtres ont une longueur d'avance. Donc je commence à compter les secondes dans ce monde où les meilleurs t'offusquent afin d'avancer dans l'ombre. Si c'est le nombre d'offusques que chacun prépare pour l'ultime rencontre. Combat glorieux pour peu qu'on prenne pour un toréador. Mon précieux l'offus pour voler au minotaurore. Je commence ça car j'aime pas la corrida. Je mets les voiles pour changer de climat. Changer de climat. Les aventuriers trépas, je passe et ramasse. Qui reste de frigos en place sur une brise ou sur une rime. Arsène de la mise frise ou clim pour laisser ma trace. Sur un dégât de masse, chope Dofus des glaces, des centaines de vautours en haut de cette tour. C'est le compte à rebours qui te joue des tours. Et je suis là devant toi, au sommet de la Bracam. Sous ce toit, je te livre toutes mes âmes. Des monstres les plus mignons, aux plus infâmes. Ça passe de l'eau à la terre jusqu'aux flammes. Tout aurait pu finir en drame, mais il en est tout autre. Je viens chercher ces Dofus ocres. Dragon aux grandes écailles, comme Nile lui met tombé dans la paille. Qui sème la pagaille, brûle les entrailles, responsable des plus grandes batailles. Prise en tenaille, ne cède pas, et comme Ulysse au prix de certains sacrifices. Sans artifice, mets la main sur le vulbis. La quête risque d'être longue, les maîtres ont une longueur d'avance. Donc je commence à compter les secondes dans ce monde où les meilleurs t'offusquent afin d'avancer dans l'ombre. Si c'est le nombre de t'offusques que chacun prépare pour l'ultime rencontre. Enfin prêt pour le grand tournoi. Good Terminator.